Bonjour Guillaume. Euh, bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal dans les Vosges où un enfant de 4 ans a été ligoté à une chaise avec du scotch dans son centre aéré. Oui, c'est la responsable du centre aéré d'Épinal dans les Vosges donc, qui a tout bonnement perdu son sang-froid Les l'effet se son produit jeudi dernier sur la pause déjeuner. Euh, eh bien, Elle a puni l'élève qu'elle trouvait agité, l'enfant qu'elle trouvait agité au moment de la pause repas en le scotchant à sa chaise. L'enfant, on l'imaginait, est choqué. Son père Steven a témoigné hier au micro de RMC. C'est choquant, quoi, pour un enfant de quatre ans de subir ça devant tous les enfants et les animateurs, personne n'a réagi. Ouais. Surtout, eh, humilié, humilié, tout le monde le voit pleurer, et lui, même à sa place, ça doit faire mal au cœur aussi. Le lendemain, on était mangé au restaurant, il m'a regardé, il me dit, papa, tu me scotches pas. Même lundi, lundi matin, il avait mal au ventre, il voulait pas aller à l'école, on lui a demandé pourquoi, il dit, parce que j'ai peur qu'on me scotche. La mairie annonce avoir ouvert une enquête administrative pour faire la lumière sur cette terrible affaire. Violence scolaire toujours à Toulouse. Désormais, hier, un élève de 18 ans s'est poignardé en plein cours. Il se disait victime de harcèlement et de cyberharcèlement depuis plusieurs mois, à tel point qu'il avait porté deux plaintes contre des camarades, plaintes classées sans suite. Il a donc décidé hier, aux alentours de 9h45, de sortir un couteau et de se poignarder à l'abdomen. Les faits graves se sont produits au lycée Stéphane-Essel, à Toulouse, vous le disiez. L'élève a été rapidement pris en charge par les secours. Ses jours ne sont plus en danger. Il devrait être très rapidement entendu par les services de police. Dans une lettre qu'il avait écrite à une amie, il mettait également en cause un membre du personnel qui aurait fait pression et c'est au conditionnel suite au dépôt de ces deux plaintes. L'enquête est donc ouverte. La mairie de Paris dénonce les fermetures de classes dans le premier degré, plus d'une centaine à la rentrée prochaine. Et c'est dans ses voeux qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé la mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. En ce début d'année, 150 fermetures sont déjà annoncées pour le premier degré. Des propos tempérés par son adjoint à l'éducation qui table plutôt donc sur 125 fermetures, car il y a 25 nouvelles ouvertures. Il n'empêche que le chiffre est impressionnant et fait bondir la municipalité euh, qui redoute hein, des classes qui risquent d'être surchargées. Pour l'heure, le rectorat n'a... Confirmer, ni confirmé ni infirmer, ni expliqué, c'est dire Daniel Algo. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. La plus haute juridiction administrative s'est prononcée en faveur de la circulaire pour une meilleure prise en compte, je cite, des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire, mise en œuvre en 2021 par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale. Alors qu'est-ce qui peut encore freiner eh l'accueil de ces élèves et surtout comment mieux accompagner la transidentité en milieu scolaire On en parle sur ce plateau.